Tu es un grand garçon maintenant. Chez nous, à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi, c'est tellement beau. Tous les jours, il y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Je m'appelle Caillou, Caillou c'est moi. Voilà. Venez les enfants, j'ai le temps de vous lire une histoire. Cette histoire s'est passée quand Caillou avait 3 ans. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Caillou prend son bain ». Caillou, il est l'heure de prendre ton bain. Attention Caillou, je ne rigole pas, c'est la dernière fois que je t'appelle. Caillou ne voulait pas prendre son bain. Où est-il passé? Je me demande bien où il peut être. Ah. Mais où peut bien être Caillou? Ah ah! Te voilà. Allons, viens Caillou, tu dois prendre ton bain. Non, non, je ne veux pas prendre de bain. C'est trop chaud, maman. Oh. Mais maintenant, c'est trop froid, maman. Dites-moi, jeune homme, où est-ce que vous allez comme ça? Je vais jouer dans ma chambre. Tu pourras jouer plus tard. D'abord, tu dois te laver. Oh, non! Je ne veux pas me laver. Oh, c'est pas drôle de se laver. Si on mettait de la mousse pour le bain? Ah, ça, c'est une bonne idée. Tu vas avoir plein de bulles, Caillou. Donne-moi ta main. Voilà, tu vois comme c'est amusant. Tout à coup, Caillou pensa à son petit canard jaune qu'il avait laissé dans la chambre de Mousseline. Oh non, c'est pas vrai. Caillou, je vais me fâcher. Mon canard! Mon canard fait plein de bulles. C'est rigolo, il y a des bulles partout. Et en plus, elles sont grosses. Tiens, essaie d'en faire d'autres. Caillou avait découvert que prendre son bain pouvait être très amusant. Et il avait aussi appris à faire des bulles. Regardez-moi, je fais des bulles, je fais plein de bulles. Doudou. Hé, mais où est Caillou? Je suis là, c'est moi. Où est mon canard? J'arrive, quoi, je vais te sauver. Vous êtes tout mouillés. Caillou avait découvert qu'il avait bien aspergé papa et maman. Il est temps de sortir maintenant, Caillou. Je ne veux pas sortir, je veux jouer dans mon bain. Écoute, je te promets que tu pourras prendre un autre bain demain. D'accord, moi et Quoi, tous les deux, on fera plein de bulles. Et voilà comment Caillou a appris à aimer l'heure du bain. Tu es un grand garçon maintenant. Chez nous, à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi, c'est tellement beau. Tous les jours, il y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Je m'appelle Caillou, Caillou c'est moi. Voilà. J'espère que cela va te faire du bien. C'est l'heure de notre histoire. Un jour, Caillou, qui avait 3 ans, eut très mal aux oreilles. Et l'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Caillou chez le médecin ». Tu sais, je ne veux pas aller voir le médecin, maman. Pourquoi donc, Caillou? Parce qu'il m'a fait très mal. Tu vas beaucoup mieux, ça ne va pas te faire mal cette fois-ci. C'est ton tour, le médecin t'attend, Caillou. Hé hey. Voyons, sors de là, Caillou. Le médecin est très gentil. Moi, je ne l'aime pas du tout. Ah? Mon dinosaure va aller mordre le médecin. Oh. Bonjour, Caillou. Je suis très contente de te revoir. Voyons d'un peu plus près comment va cette oreille et si elle est guérie. Non, mon dinosaure a dit qu'il allait vous mordre. Oh, ton dinosaure n'a pas l'air très content de me voir. Penses-tu qu'il me laissera regarder dans ton oreille? La dernière fois que Caillou avait vu le médecin, son oreille lui faisait très mal. Oh, c'est donc ça qui te fait si peur, Caillou. Veux-tu t'en servir pour regarder, Caillou? C'est très intéressant. D'accord. Bon. Puis-je regarder ton oreille maintenant? Tu vas beaucoup mieux, je ne te ferai pas mal cette fois-ci. D'accord. Je suis vraiment très contente. Je crois que tu seras guérie dans un jour ou deux. Oh non, j'espère qu'il ne va pas m'attaquer. Ah, je vois. Tu veux que j'examine l'oreille de ton dinosaure? Oui. Je pense que vous lui avez donné les bons médicaments, docteur Caillou. Félicitations, docteur Caillou. Votre dinosaure va beaucoup mieux maintenant. Quand le docteur Caillou rentra chez lui, il chercha tout de suite qui avait mal aux oreilles. C'est drôle dans tes oreilles, Gilbert. Mousseline, je veux regarder dans ton oreille. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Tu es un grand garçon maintenant. Chez nous, à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi, c'est tellement beau. Tous les jours, il y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Voilà. Bon, voilà, la lessive est terminée. Vous m'avez beaucoup aidé, les enfants. Vous avez bien mérité votre histoire. Voyons un peu ce qu'a fait notre ami Caillou aujourd'hui. Ah, mais oui, l'histoire que je vais vous lire aujourd'hui s'intitule « Caillou s'habille ». Le jour de la lessive, il y avait beaucoup d'activités dans la maison de Caillou. Et Caillou essayait d'aider comme il pouvait. Ouf! J'arrive pas à trouver la porte! Oh! Je ne peux pas jouer avec toi maintenant, Gilbert. Regarde que je t'apporte, maman. Quel grand garçon. Tu sais que ça me fait très plaisir que tu m'aides. Caillou était fier d'aider sa maman. Cela le rendait très heureux. Wow! Hey, maman! que tu ferais mieux de remonter maintenant. Caillou se disait que s'il était assez grand pour aider sa maman, il était assez grand pour s'habiller tout seul. Mais il y avait un petit problème. Il avait emporté tous ses vêtements à laver. Et il n'avait plus rien à se mettre. Caillou? Chut! Mousseline dort. Pourquoi es-tu encore en sous-vêtements? Le tiroir est vide, je n'ai rien à mettre. Voyons, ce n'est pas possible, tu as des tonnes de vêtements. Oh, oh. Ça alors, mais tu as raison. Tiens, j'ai une bonne idée. Si tu te déguisais... Je ne veux pas mettre de vêtements pour les grands. Et pourquoi pas, Caillou? Parce que je suis trop petit. Eh ben ça, c'est ce qu'on va voir. Ah, voilà, j'ai trouvé. Ils te vont très bien. Et est-ce que monsieur aurait l'obligeance d'essayer cette chemise? C'est drôle, ça chatouille. Est-ce que je peux avoir un chapeau? Ah! Je veux me voir, je veux me voir. Attends, attends, il manque un petit quelque chose. Et voilà, on dirait un vrai jeune homme. Mes moustaches, papa. Et qui est-ce qui a dit que tu étais trop petit pour mettre des vêtements de grand, hein? Youpi! C'est toi, Caillou? Regardez-moi ça, on dirait un vrai jeune homme. Tu es superbe. Attendez, je vais prendre une photo de mes deux hommes. Un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours il y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Je m'appelle Caillou, Caillou c'est moi. Voilà. C'est l'heure de votre histoire, les enfants. Bien, voyons ce qu'a fait Caillou aujourd'hui. Aujourd'hui, mon histoire s'intitule « Caillou fait des biscuits ». Cette histoire s'est passée quand Caillou avait tout juste 3 ans. S'il te plaît, Mousseline va faire sa sieste. Chut. Caillou? Mais maman, je veux jouer. Continue à jouer, mais ne fais pas de bruit. Caillou pensait qu'il était beaucoup plus amusant de jouer en faisant du bruit. Caillou, je t'ai dit de ne pas faire de bruit. Je veux des biscuits, j'ai faim. Caillou s'en alla donc dans la cuisine. Du miel. Caillou décida de faire des biscuits au miel. Il se mit donc au travail. Il fit tout un tas de biscuits. Des gros et des petits, des plats et des ronds. Oh, Caillou, mais qu'est-ce que tu fais là? Je fais des biscuits tout seul. Tu en as mis partout. Veux-tu aider maman à nettoyer? Oui, maman, je vais t'aider. Il faut s'assurer que la cuisine est bien nettoyée. Peux-tu m'aider à ramasser la poussière? J'ai trouvé ce qu'il faut. C'est très bien, tu te débrouilles comme un grand. Caillou. Caillou était très fier. Il aidait sa maman à faire des biscuits. Maman, tu en as mis partout, maman. Tu as raison. Parfois, maman en met partout. Papa, papa, goûte un biscuit, goûte un biscuit. Qui a fait ces bons biscuits? C'est moi et maman m'a aidée. Maman, papa, regardez. Qu'est-ce que tu fais, Caillou? Je fais plein de désordres. Tu es un grand garçon maintenant. C'est l'heure de votre histoire, les enfants. Bon, voyons un peu. Cette histoire s'est passée alors que Caillou avait seulement 3 ans et que Mousseline était encore un bébé. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Caillou fait des courses ». Caillou, il est temps de te lever. Il neige dehors, va voir. Ah! Ouais, je vais faire un bonhomme de neige. Il faudrait déjà t'habiller. Dis-moi, sais-tu où sont tes chandails? De chandail, je veux mettre ça. Oh, si tu portes ça dehors, tu vas avoir aussi froid qu'un bonhomme de neige. Il n'y a plus de céréales. Eh bien, nous en achèterons quand nous irons faire les courses. Nous avons besoin d'eux aussi parce qu'aujourd'hui, je vais faire un gâteau surprise. Tu vas faire un gâteau surprise? Ouais! Caillou et Mousseline aimaient beaucoup les gâteaux surprises de maman. Ils ne savaient jamais à quoi ils allaient ressembler. Caillou, il est temps de partir. Mets ton manteau et tes bottes. Attends, maman, je suis en train de jouer avec mon dinosaure bleu. Tu pourras jouer plus tard. Dépêche-toi, Mousseline et moi, nous t'attendons. Caillou aimait bien aller faire des courses, mais comme il aimait aussi beaucoup jouer, il mettait toujours du temps à se préparer. Caillou, monte dans la voiture, s'il te plaît. J'aimerais faire un bonhomme de neige. Oui, c'était une bonne idée. J'avais même déjà pensé à en faire un. J'en veux un très grand. Mais d'abord, allons faire nos courses. Maman, je voudrais monter dans le chariot avec Mousseline. Oh, d'accord, mais allons-y, sinon nous n'aurons pas le temps de faire notre bonhomme de neige. Je veux ces biscuits-là. Caillou, je t'ai dit que j'allais préparer un gâteau surprise. On n'a pas besoin de biscuits en plus, d'accord? Mais qu'est-ce que tu vas faire comme gâteau surprise? Si je le dis, ce ne sera plus une surprise. Écoute, quand nous arriverons à la caisse, je voudrais que tu surveilles Mousseline pendant que je m'occuperai de l'épicerie. Caillou, lui, ne pensait qu'aux biscuits. Mais il avait oublié où il les avait vus. Bientôt, il se retrouva tout seul. Il s'était perdu et il commençait à avoir peur. Maman! Maman! Je suis perdue! Où es-tu? Caillou, qu'est-ce qui est arrivé? Tu es parti. Non, Caillou, c'est toi qui es parti. Mais je suis très contente qu'on t'ait retrouvé. Viens, rentrons maintenant. Caillou se souvenait toujours à quel point il avait eu peur, mais il était très content d'avoir retrouvé maman et Mousseline. Tu sais, maman, je n'ai pas aimé ça quand je me suis perdue. Je n'ai pas aimé ça non plus, mon chéri. Il faudra bien faire attention la prochaine fois. Et maintenant, je voudrais que vous m'aidiez à terminer le gâteau surprise. Mais tu as dit qu'on allait faire un bonhomme de neige. Nous allons faire un bonhomme de neige, mais nous allons le faire ici, dans la cuisine. Mais alors le gâteau surprise, c'est ça? Ouais! Caillou et Mousseline avaient absolument raison. Ils avaient deviné quelle allait être la surprise de maman. Maman, regarde, on dirait un vrai bonhomme de neige. Brrr, j'ai l'impression qu'il a froid. On va lui mettre une écharpe. Tu es un grand garçon maintenant. Vous êtes prêts, les enfants? C'est l'heure de votre histoire. Qu'a donc fait Caillou aujourd'hui? Mon histoire d'aujourd'hui s'intitule « Caillou range ses jouets ». Caillou! Mais où est-ce qu'il peut bien être? Oh, mais quel dommage que Caillou ait disparu. Il ne pourra pas manger de mousse au chocolat. C'est vrai, Caillou adore la mousse au chocolat. Regardez-moi ce désordre. Qu'est-ce que je t'avais dit, Caillou? Je ne dois pas laisser mes jouets dans les escaliers. Caillou savait très bien qu'il ne devait pas laisser ses jouets dans les escaliers. Va les ranger dans ta chambre, s'il te plaît. Au chocolat. J'adore la mousse au chocolat. Caillou, viens ici, s'il te plaît. Ça a l'air d'être important. Je pense que tu ferais mieux d'aller voir papa. Caillou, qu'est-ce que je t'ai déjà dit à propos de tes jouets que tu laisses dans l'allée? Tu ne dois pas les laisser là. Exactement. C'est pourquoi j'aimerais que tu les ranges. Mais je n'ai pas mangé ma mousse au chocolat. Ta mousse au chocolat attendra. Tiens, je vais t'aider. Caillou n'était pas très content, même si son papa avait dit qu'il l'aiderait. Caillou, je voudrais te dire un mot. Oh, oh. Caillou, tu dois ranger tous tes jouets. Tu pourras manger ta mousse au chocolat après. D'accord, papa. Tu es sûr que nous avons ramassé tous tes jouets? J'en suis sûre, regarde. Alors tu peux aller manger ta mousse au chocolat. Ouais, de la mousse au chocolat. Oh, viens un peu voir ce que j'ai trouvé ici. Tu sais, Caillou, je trouve que tu as vraiment beaucoup de jouets. Et en plus, ils prennent tellement de place. Je sais. Et puis, il y en a tout un tas avec lesquels tu ne joues plus du tout. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tu pourrais en donner quelques-uns à Mousseline. D'accord, je vais lui donner un jouet et peut-être d'autres plus tard. Ce dont tu as besoin, c'est d'une grande boîte pour y mettre tous tes jouets. Veux-tu m'aider à en fabriquer une? Oh oui! Aussitôt que j'aurai fini ma mousse au chocolat. Voilà, je pense qu'elle est assez grande. Merci, papa. Voyons si le couvercle ferme bien. Tu es un grand garçon maintenant. Je m'appelle C'est l'heure de votre histoire, les enfants. Tiens, le voilà ton Caillou. Il n'était pas perdu du tout. Voyons un peu ce qu'a fait Caillou aujourd'hui. Mon histoire d'aujourd'hui s'intitule « Caillou est tout seul ». Oui! Maman, maman, je peux avoir du jus de fruits? Avec moi, maman. Chut, Caillou, je n'ai pas le temps. Plus 3, plus 7... Je peux t'aider à compter. 1, 2, 3, 4... Caillou, ce que je fais est très compliqué. Mais je peux t'aider, je peux t'aider. 17, 22, 1, 2, 3... Oh non, Caillou, regarde ce que tu as fait. Écoute, Caillou, j'ai vraiment besoin que tu me laisses toute seule. Pour l'instant, je suis trop occupée pour jouer. Va voir papa, peut-être qu'il pourra jouer avec toi. Caillou voulait vraiment que sa maman joue avec lui. En attendant, peut-être que son papa voudrait jouer avec lui. Mais Caillou ne savait pas que son papa était très occupé lui aussi. Papa! Papa! Oh! Est-ce que c'est cassé? Non, maintenant il fonctionne. Je l'ai réparé. Un bonhomme de neige, papa. Caillou, j'ai un grand nettoyage à faire et j'ai vraiment besoin de le faire tout seul. Va voir si tu peux trouver grand-maman. Caillou était sûr que grand-maman aimerait beaucoup entendre l'histoire de papa et de la machine à laver. Voilà, c'est ça, Mousseline. Ferme les yeux, ma chérie. J'ai cru qu'elle n'allait jamais s'endormir. Ah, ça a été long. Grand-maman, regarde-moi, je suis un bonhomme de neige. Caillou, chut! Mousseline vient de s'endormir. Papa a réparé la machine à laver, mais il y a plein de bulles qui sont sorties et qui l'ont recouvert. Si t'avais vu ça, il y avait plein de bulles partout. Chut! Caillou, je t'en prie, ne fais pas de bruit. Tu vas réveiller Mousseline. Caillou, écoute, il vaut mieux que je reste toute seule avec Mousseline. Pourquoi ne vas-tu pas jouer avec Gilbert? Toi, tu vas bien vouloir jouer avec moi? Ah. Peut-être que maman a fini de compter. Je suis désolée, Caillou. J'ai besoin qu'on me laisse tranquille pour le moment. Et toi, est-ce que tu veux jouer avec moi? Ouais! Caillou, viens, mon chéri, ton goûter est prêt! Caillou s'amusait tellement bien tout seul qu'il n'avait même pas entendu sa maman l'appeler. Caillou, est-ce que ça va? Tu es tout seul? On commence à s'inquiéter. Qu'est-ce que tu fais? Mais rien. Je m'amuse, c'est tout. Tu es un grand garçon maintenant. C'est l'heure de votre histoire, les enfants. Voyons un peu ce qu'a fait Caillou aujourd'hui. L'histoire que je vais vous lire aujourd'hui s'intitule « Caillou apprend à conduire ». Je cherche Caillou. Est-ce que tu l'as vu? Il devait venir m'aider à laver la voiture. Il est dans le jardin en train de conduire sa voiture. Pip, pip. Caillou est dans sa voiture. Vous avez sans doute remarqué que Caillou aime beaucoup tout ce qui s'appelle voiture, autobus et camion. Enfin, je te trouve. Regarde. As-tu oublié? Tu avais dit que tu voulais m'aider à laver la voiture. Oh. Vroom, 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 ouais. Caillou imaginait qu'il conduisait la voiture la plus extraordinaire qu'il ait jamais vue. Bonjour, Monsieur le Lion. Ce que tu m'as fait faire. Oh. Papa, tu es tout mouillé. Qu'est-ce qui s'est passé? Caillou n'avait pas compris que c'était à cause de lui que son papa s'était arrosé. Disons que c'était un accident. J'ai l'air un peu idiot, non? Ça oui. Alors, tu veux toujours m'aider? Oh oui, papa. Papa, j'ai conduit la voiture tout à l'heure. C'est vrai, ça? Oui. Tu sais, j'aime beaucoup les voitures. Mmh. Oui, je sais. Moi aussi, j'aimais beaucoup les voitures quand j'étais petit. Et tu les aimes encore beaucoup? Regarde, maman. La voiture brille. On l'a bien lavée. Bravo. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on attend pour aller pique-niquer sur la plage? Bonjour, Monsieur le Lion. Dis, papa, est-ce que je pourrais conduire la voiture quand je serai grand? Est-ce que tu vas m'apprendre? Bien sûr, Caillou, bien sûr. Tu es un grand garçon maintenant. Raconte une histoire. Tiens, qu'est-ce que c'est? Mais ce sont des oursons que je vois là. Cette histoire s'intitule « Le t-shirt préféré de Caillou ». Tiens, voilà, nounours, reste là. Attention, je te l'envoie. Je peux jouer? Attends ton tour. Non! Caillou n'en croyait pas ses yeux. Mousseline portait son t-shirt préféré. Maman! Maman! Qu'est-ce qui t'arrive, Caillou? Mousseline a mon t-shirt préféré, celui avec les nounours. Il est bien trop petit pour toi, alors je l'ai donné à ta petite sœur. Il n'est pas trop petit, c'est pas vrai. Il est à moi. Oh. Je dois t'enlever ce t-shirt, Mousseline. Je vais les nounours. Je vais t'apporter celui avec les petites souris, d'accord? Tu vois, il me va très bien. Et voilà, c'est parfait. Bon, d'accord. Oh. Ah. C'est pas drôle. pauvre Caillou. Il était resté allongé sur le tapis et son ventre le démangeait. Et il ne pouvait pas rentrer son t-shirt dans son pantalon. Après tout, il était peut-être trop petit pour lui. Mais tout à coup, Caillou eut une idée. Il essaya d'attacher son t-shirt avec du ruban adhésif. Il va y arriver. Toi, reste là. Caillou était très triste. Il savait que son t-shirt ne lui allait plus, mais il ne voulait pas le donner. Regarde, sur cette photo, tu portais ce t-shirt. Tu étais tellement mignon. Tu avais 2 ans. J'étais tout petit. J'avais mon t-shirt avec les nounours. Je m'excuse de l'avoir donné à Mousseline sans rien te demander. J'avais oublié à quel point tu aimais ce t-shirt. Caillou l'aimait toujours, mais il savait qu'il avait grandi et qu'il était maintenant trop petit pour lui. Tu sais, on pourrait trouver un endroit où tu pourrais toujours le garder. C'est à nounours que je vais le donner. Quelle chouette idée! Nounours, tu es vraiment très beau dans ton nouveau t-shirt. Ah. Mousseline! Nounours est content. Tu es un grand garçon maintenant. C'est l'heure de votre histoire. Qu'est-ce que tu vas nous lire, grand-maman? Ce soir, je vais vous lire « Caillou n'a plus peur ». Cette histoire s'est passée lorsque Caillou avait 3 ans, tout juste. Monsieur Lajoie habitait à côté. Bien des enfants pensaient qu'il y avait un fantôme dans sa vieille maison. Il faut dire que la maison de Monsieur Lajoie avait un air un peu effrayant. Tout comme Monsieur Lajoie, d'ailleurs. Oh, voyons, Caillou, pourquoi te caches-tu? C'est Monsieur Lajoie, il est bizarre. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Il me fait peur. Ah. Tiens, regarde, il veut m'attraper. Il n'est pas là. En plus, je connais Monsieur Lajoie et il est très gentil. Oh. Tiens, bonjour, Caillou. Maman! Le pauvre Monsieur Lajoie fut bien triste de voir Caillou s'enfuir. Ne sois pas effrayé. Monsieur Lajoie est venu me dire qu'il était désolé que tu aies peur de lui. Tu sais, il est vraiment gentil. Mais moi, je ne l'aime pas. Je pense que tu as peur de Monsieur Lajoie parce que tu ne le connais pas. Bonjour. Est-ce que je peux entrer? Entrez donc, Monsieur Lajoie. Caillou, Monsieur Lajoie voudrait te... Caillou. Oh, mais je me demande où est passé Caillou. Je ne sais pas. Il était ici il y a un instant. Ah, je vois. Je pense qu'il joue à cache-cache. Moi aussi, j'aime beaucoup jouer à cache-cache. Attention, Caillou, nous arrivons. Bon, mais où peut-il bien se cacher? Caillou, où es-tu? Gilbert, ils vont nous entendre. Oups, j'ai l'impression que Caillou se cache en bas. Attention, nous nous rapprochons. Je me demande s'il est vraiment là. Je ne le vois pas. Non, il n'est pas là. Regardons dans une autre pièce. il ne reste qu'un endroit où il a pu se cacher. Je brûle de plus en plus. Caillou avait complètement oublié qu'il avait peur de Monsieur Lajoie. Ha ha! Je suis très contente de voir que vous êtes devenus amis. Je voudrais jouer encore une fois. Cela me ferait très plaisir, Caillou. Mais cette fois, je me cache et c'est toi qui vas me chercher. Je vous aime beaucoup, Monsieur Lajoie. Tu es un grand garçon maintenant. C'est l'heure de votre histoire. Regardez, on dirait que Caillou n'est pas content. Je me demande ce qu'il a. Aujourd'hui, mon histoire s'intitule « Caillou aime le cirque ». Oh, Gilbert, j'ai rêvé d'un tigre. Il était énorme. Papa a dit qu'il allait m'emmener au cirque aujourd'hui. Il me l'a promis. Alors ce matin, je vais m'habiller tout seul. Tu vas voir, papa va être tellement content. Oups. Oh. Oui. Oh non, j'ai oublié de me brosser les dents. Oh. Regarde, je suis tout prêt. Je me suis habillée tout seul. Ah oui, c'est ce que je vois, mon grand. Tu t'es très bien débrouillé. Il est très tôt, tu sais. Oui, mais je ne veux pas arriver en retard au cirque. Voyons, Caillou, nous n'allons pas au cirque aujourd'hui. Nous y allons demain. Non, non, c'est aujourd'hui. Je me suis habillée pour y aller. Non, c'est aujourd'hui. Allons, Caillou, viens m'aider à préparer le petit déjeuner. Caillou était de très mauvaise humeur car il ne pouvait pas aller au cirque. Caillou, je te demande de te calmer. Tu as réveillé ta petite sœur. Je veux que tu descendes à la cuisine tout de suite. Même le papa de Caillou commençait à se fâcher. Pourquoi est-ce que je ne peux pas aller au cirque? Je veux aller au cirque. Qui veut du pain grillé? On peut y découper des petits canards comme le fait grand-maman. Non, je ne veux pas faire des petits canards. C'est rien que pour les bébés. Bon, dans ce cas... que dirais-tu d'un cirque? On pourrait découper des animaux dans notre pain et les manger avec des œufs à la coque. Laisse-moi réfléchir. Il nous manque quelque chose. Quelque chose qui vient toujours avant les animaux du cirque. As-tu deviné ce que c'est? Une parade? Une parade de cirque! Bravo, tu as deviné! Je vais chercher les œufs. Oh! Tu aurais dû me le dire que tu voulais des œufs brouillés. J'ai pas fait exprès. Je sais bien, Caillou, je sais que tu n'as pas fait exprès. C'était juste un accident. Oh. Regarde, le pain. Oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Oui, oui, oui. Tu peux travailler dans le cirque, papa. Tu es un très beau jongleur. Et Mousseline pourrait être notre clown. Hé, mais qu'est-ce qui se passe ici? On joue au cirque. Veux-tu être dans notre parade, maman? Veux-tu être la jolie jeune fille qui monte à cheval? Non, je te remercie, mon chéri. Je crois que je vais être la jeune maman qui retourne dans son lit. Tu es un grand garçon maintenant. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi, c'est tellement beau. Tous les jours, il y a du nouveau. Accrochez-vous, les enfants, je vais vous lire une histoire. Voyons ce que Caillou a fait aujourd'hui. Aujourd'hui, l'histoire s'intitule « Caillou à la garderie ». C'était la première fois que Caillou allait à la garderie et il était un petit peu inquiet. Je ne veux pas y aller. Maman, je ne veux pas. Je veux rester avec toi. Moi aussi, j'aimerais rester avec toi, mais tu sais bien que je dois aller travailler. Je suis sûre que tu vas t'amuser. Écoute. Bonjour, je suis Anne-Martin, l'éducatrice. Et tu dois être Caillou. Caillou avait peur et il était timide. Je vais devoir m'en aller, mon chéri. Non, ne t'en vas pas, je ne veux pas que tu t'en ailles, maman. Mais je vais revenir, Caillou. Ne sois pas triste. Même la maman de Caillou était triste de le laisser à la garderie pour la première fois. Tiens, Caillou, je t'ai apporté un verre de jus de pomme. Aimerais-tu que je te présente aux autres enfants? On verra ça une fois que tu auras fini ton jus de fruits. Maman! Ta maman est partie. Bonjour, je m'appelle Clémentine. Comment tu t'appelles? Caillou. Lui, c'est Léo. Il n'aime pas partager. Veux-tu jouer avec moi? Je fais des découpages. Regarde, voilà une pomme, une banane et une tartine. Attention, tu peux pas les manger, c'est juste pour faire semblant. Est-ce que tu aimes la garderie? Je préfère rester chez ma grand-mère, c'est plus drôle. C'est là où tu vas quand tes parents ne peuvent pas te garder? C'est une artiste. Je joue avec plein de choses, de la peinture, des pinceaux et du papier, des crayons, de la craie et des feutres de couleur. On a toutes ces choses-là ici, Caillou. Oh, super! Qu'est-ce que je vais peindre? Un bel oiseau. Je vais découper ce que mangent les oiseaux. Ils mangent des vers de terre. Il est très beau ton oiseau. Est-ce que tu pourrais m'apprendre à peindre comme ça? Bien sûr, Léo. Si toi, en échange, tu nous montres comment construire un château. Un château doit toujours avoir beaucoup de tours. Un ver doit ressembler à un serpentin. Et un oiseau doit avoir des plumes très, très rouges. Ah. Tiens, Léo, tu peux mettre un drapeau sur ton château. Caillou! Il faudrait que ces deux tours soient vraiment très hautes. Caillou s'amusait tellement bien qu'il n'avait même pas remarqué que ses parents étaient là. Regardez, je construis un château. Tu es un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours il y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps, ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi, je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Voilà. Grand-maman, il est l'heure de manger, pas de nous lire une histoire. Eh bien, c'est une histoire qui raconte justement combien il est important de bien manger ses légumes. Lorsque Caillou avait 3 ans, lui non plus n'aimait pas beaucoup les légumes. En fait, il les détestait. Caillou, tu dois manger tes légumes. Grand-papa va venir te chercher pour aller au parc. Mais tu n'iras pas au parc tant que tu n'auras pas fini tes légumes. Je déteste les légumes. Je veux des biscuits au chocolat. Tu auras des biscuits au dessert, Caillou. Tu pourras avoir un biscuit une fois que tu auras terminé tes légumes. J'adore les légumes. Tu peux manger mes légumes, papa? Non, ce sont tes légumes. Je veux que tu essaies d'en manger au moins quelques-uns, Caillou. Alors, Caillou, es-tu prêt pour aller au parc? Je vais jouer au parc avec grand-papa. Et après le parc, nous irons voir grand-maman. Elle nous a préparé à manger. Waouh! Regarde, une chenille! Les chenilles mangent des feuilles afin d'avoir l'énergie de se transformer en papillon. Se transformer en papillon? Que fait l'oiseau, grand-papa? Il cherche des vers pour les manger. Les vers leur donnent l'énergie dont ils ont besoin pour voler vers le sud en hiver. Et les écureuils mangent des glands. Ils font des provisions pour plus tard, quand il fera trop froid pour sortir. Tiens, petit écureuil! C'est nous! On est aussi affamés que des ours. Et c'est parce qu'on est de vrais ours. Petits pois et carottes. Délicieux. Les ours mangent des mûres. Ce soir, ces petits pois et ces carottes, ce sont nos mûres. Je suis un ours. Un peu plus tard ce soir-là, papa et maman vinrent chercher Caillou. Alors, comment vas-tu, Caillou? Regardez, je suis un ours, moi. Moi aussi, je suis un ours. Et tous les deux, nous avons mangé tous nos légumes. Mais non, nous avons mangé toutes nos mûres. Cela veut dire que maintenant, tu vas pouvoir manger...